Hello, hello, ma team gourmande, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, une recette très simple, très rapide et efficace pour le goûter, un gâteau à l'orange. Alors, pour ça, il nous faudra tout simplement des zestes d'orange. Nous allons, pour cette recette, utiliser le moule tablette de chez Guy de Marne. Donc, 100 g d'huile de tournesol, 200 g de sucre, 2 œufs, les zestes d'orange, donc un peu de levure chimique, environ un sachet, 200 g de jus d'orange et 300 g de farine. Donc cette recette est très simple à réaliser. C'est parti, nous allons réaliser tout cela au thermomix. Dans un premier temps, c'est optionnel, mais pour la déco, je préfère mettre les zestes d'orange directement dans le moule tablette. Voilà, c'est vraiment facultatif, j'en mets un peu et je conserve le reste pour la recette. Ça, on peut le mettre de côté. C'est parti pour la recette. Donc les 200 g de sucre blanc directement dans le thermomix. On va venir pulvériser le tout 30 secondes avec les zestes d'orange. Donc je ferme le couvercle avec le gobelet doseur et je viens pulvériser le tout 30 secondes, vitesse 10. Au bout des 30 secondes, je vous montre ce que l'on obtient. Le sucre a bien été pulvérisé directement avec les zestes d'orange. On racle bien les bords. Et on va venir y ajouter donc la farine, environ 300 g. Le jus d'orange, 200 g pour ma part, fraîchement pressé. Les 2 œufs. Et enfin, les 100 g d'huile de tournesol. Et je vais venir cette fois-ci mélanger le tout 45 secondes, vitesse 6. Au bout de 45 secondes, voici ce que l'on obtient, une belle pâte à gâteau. On racle un peu les parois et on va venir y mettre
la levure chimique, tout simplement. Vous voyez, c'est très simple et très rapide surtout. Donc la levure chimique, et c'est reparti pour 30 secondes à la vitesse 5 cette fois-ci. Voilà, en moins de 2 minutes, votre pâte à gâteau est réalisée très rapidement grâce au Thermomix. Voici ce que l'on obtient. Donc, on dispose tout simplement la pâte à gâteau directement dans le moule tablette. Pour ma part, j'ai opté pour ce moule. Après, libre à vous de choisir le moule de votre choix. On la verse dans le moule. Notre four est préchauffé à 180 degrés. On en met un peu partout. Et on va venir cuire le tout entre 40 et 45 minutes selon votre four à surveiller à 180 degrés. Pour ma part, je l'ai laissé 40 minutes, chaleur tournante, 180 degrés. Au bout des 40 minutes, voici ce que l'on obtient. Donc, je mets la planche directement et je vous montre le démoulage ultra facile grâce à ce moule. Le gâteau fume encore, mais voilà, sans matière grasse, je voulais absolument vous montrer le démoulage. Aucune matière grasse, c'est très simple. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter le plus possible, à vous abonner et surtout, activez la cloche. Regardez-moi ce moelleux et alors l'odeur de l'orange dans la maison, je ne vous en parle même pas. Gros bisous ma team gourmande, à très vite pour de nouvelles vidéos.